Bonjour et salut tout le monde, c'est Laser. On se retrouve aujourd'hui pour la 7ème émission de la saison 2 d'Apprendre ou à laisser. Allez, on applaudit. Ouais. Tout de suite, présentation des gains du jour. Nous pouvons obtenir aujourd'hui un piment, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Le jackpot aujourd'hui est de 9000 euros. Je rappelle que si le jackpot n'est pas trouvé dans les trois premières boîtes, il n'est pas dans votre boîte ou s'il n'est pas dans la boîte numéro 25, il augmentera à 12 000 la semaine prochaine. Ensuite, nous avons 5000 euros, 7500 euros, 10000 euros, 15000 euros, 20000 euros, 25000 euros, 35000 euros, 50000 euros, 75000 euros, 100000 euros, 50000 euros et 300000 euros. Ouais. 300000 euros. Et je vous rappelle que si il n'est pas dans votre boîte à la fin du jeu, la semaine prochaine, il passera à 310000 euros. Oh. Tout de suite, passons au tirage au sort du candidat du jour. Allez. Oh. Ouais, ça fait un sacré moment que vous êtes là, mon cher. Ah oui, oui. Vous allez enfin pouvoir aller là-bas. Allez, alors, comment... Vous êtes content d'être choisi au sort? Ah oui, oui. Tire au sort. J'ai tellement faim en plus. Alors, vous avez pas trop de moi, hein. Tu sais, il y a Covid, donc vraiment... vous avez eu la boîte numéro 21. Oui. C'est donc parti pour... ouvrir 6 boîtes. Alors, je vais prendre le 12. Oui, le 12, attends, là t'es en train de faire ta liste de courses, tu attends. je vais prendre le 12, le 15, le 27, on attend. Ouais, je me crois au loto. 5000 euros. Aïe. Ça va. Tu peux rester quand même à ta place, hein. Ça t'évitera de te déplacer pas. Ah, merci. Et puis si vraiment tu sais pas qui c'est, tu me demandes la couleur. Merde. 9. Pardon. Alors j'ai pas fait exprès, par contre, de taper. Allez. La boîte numéro 9. Bah oui, regarde. Hey, la boîte numéro 9 contient. Aïe. 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 Ça fait mal. Aïe. Ça fait mal. Aïe. Ah, ça pique un peu. Là. Ouais. Fait mal. Je pleure. Oui. J'ai des larmes aux yeux. En plus, on me tape. Maintenant, je perds 300 000. Oh. J'espère pour vous, au moins, que vous aurez les 9 et le jackpot là dans cette boîte. Sinon, oui. Oh là là, ça ferait mal. Un câlin. Oui. Oh. C'est vous qui devriez pleurer, pas ma faute. Le 17. Le 17, ah ça c'est ma boîte de chance. J'espère pour vous qu'elle va vous porter chance. Boîte numéro 17, la boîte de Fukano. Je viens encore cracher sur mon bureau, mais c'est marrant. Contient 7500 euros. Aïe. Vous n'aurez donc pas le jackpot parmi les trois premières boîtes. Donc il reste encore deux possibilités pour avoir le jackpot, soit aller dans la boîte numéro 21, soit... elle est dans la 25e boîte. Le 10. Boîte numéro 10. La boîte de Matox. Oui. La boîte de Matox contient un piment. Ah. Du Matox. Alors ça, tu vois, c'est du Matox. Un piment. Voilà. Un piment. Miam. Bon, ça va. Bon, le 4. Ça arrête de me faire. Formal. Le 4, I'm formal. Alors, mon cher Informal, qui a déjà participé à la première saison, hein. Vous êtes... Et oui. Voilà, et puis, formel. C'est qui a dit ça? Mamadix. Ah, j'ai le cul. C'est Mamadix? Oui. Merci. Allez. Boîte numéro 4, donc mon cher Informal. Oui. Boîte numéro 4 contient... somme de... aura de la chance, attention. Roulement de tambour. Aïe. Aïe. 15 000 euros. Aïe. C'est triste. On m'a dit que je vous invite à retourner à votre place. Et pour la dernière boîte. C'est très irrespectueux de sortir de sa place. Allez, dernière boîte avant l'appel du banquier. Le 3.
Le 3, la boîte numéro 3 qui est là. La boîte de Mr. B-Boy. La boîte de Mr. B-Boy. Il y a la somme de... J'ai tapé cola. 100 euros. Oui. Allez. Donc, nous allons avoir l'appel du banquier. Allô? Non, c'est moi qui appelle, monsieur. Alors, le banquier vous propose une très bonne offre. Il vous propose 19 000 euros. C'est à prendre ou à laisser? À laisser, 1, 2, 3. On dit pas à laisser, 1, 2, 3, on dit 1, 2, 3. Je refuse. 1, 2, 3, je refuse. Je vous rappelle. Et cache ta joie. Il y a une contre-proposition à votre droite. Oui, mais je veux pas. Ok. Nous allons donc passer 5 boîtes à ouvrir. Une boîte, le 13. Le 13. Là. Pour malheur, d'ailleurs. Par là. Là. Là, voilà, le gros pif. La boîte numéro 13 contient la somme de... J'espère qu'elle vous portera chance, hein. 35 000 euros. Oh, aïe. On n'est pas vraiment pas de la chance. Est-ce que le régisseur peut m'enlever l'offre parce que je vois les trucs déconner? Merci. Donc, 4 boîtes à ouvrir. Le 19. Ah non, t'as enlevé le nombre des boîtes. Hein. Donc, le 19. 19, voilà. Là, comme ça, normalement, c'est bon pour l'instant, c'est bon. La boîte... Ah non, c'est pas bon, mais c'est pas grave, on va faire avec. Bon, la boîte numéro 19, la boîte d'As de pique. J'espère que vous êtes un as. Oui. Du jeu. Ah, bah lui aussi. Bah là, ça pique. Ah oui, ça pique, là. Bon. Bon. Le but, c'est d'enlever les rouges, un peu les jaunes. Je précise. Oui. Ouais, en plus, et faut monsieur le banquier s'il peut récupérer son téléphone. Voilà. Peut-être pour ça aussi que j'ai le truc. Trois boîtes à ouvrir avant l'appel du banquier. Et 11. Fuse. La boîte numéro 11, la boîte de Fuse 3. Et pourquoi c'est 3 pas Fuse Tire, évidemment. C'est qui a dit ça? C'est maman encore, hein. Je sais pas si. Attention, hein, la prochaine fois tu vas viser la lune. Hein. Tu bégayes, laser. Bon. Allez, 250 euros. Ah. Ouais. On va prendre la boîte juste à côté, le 18. Le 18. Allez. Bah oui, bah c'est ce que je veux. Aïe. Ah oui. Ah oui, ça fait mal. Ah bah. Le prochain qui fait une blague de merde, il ouvrira pas sa boîte. Ok. Oh. Bon. Hein, les gars, on rigole, hein, mais pour l'instant, le tirage est pas terrible. Hein. Franchement, pour l'instant. Ah non, c'est pas terrible du tout. Allez. Une boîte à ouvrir. Donc la boîte numéro 8 contient 50 000 euros. Oh, oh là là. Encore. Ça m'embouche le coin. C'est que le début. D'accord. Ok, donc Mamadix ne tirera pas aussi. Mais... Franchement, ils sont là pour me casser les burnes. Alors, comme Burnama. Non mais. Le banquier vous propose 9999 euros. Non. 1, 2, 3, je refuse. Ouais. Il reste 1 euro, 5 euros, 10 euros, 25 euros, 50 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 9000 euros, qui est le jackpot, 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros et 150 euros. Ok. Tout de suite, 4 boîtes à ouvrir. 4 boîtes? Oui, 4 boîtes. Je sais compter. Le 2. Il est là-bas. Numéro 2, la boîte de Frigiel. Cette boîte contient la somme de 10 000 euros. Non, mais c'est pas possible. Ah oui, pour le coup, c'est pas possible. Pour le coup, ce n'est plus un mauvais tirage que vous avez. C'est un tirage de merde. Ah, ça, tu peux le dire. De merde. Un tirage de merde. Handical, il va falloir se reprendre. Ah oui, se oui. Se ressaisir. Il ne faut pas être saisi à point. Je vais prendre le 22. Le morceau de viande.
Le combien? Le 22. Le 22, la boîte de cola. Oui. Comment allez-vous, Maya? Ma abeille. Je te tue, toi. On peut plus, des bêtes de merde. Bon. Allez, mon cher cola, ouvrez la boîte numéro 22 quand vous le souhaitez. Allez, courage, bon. Allez. Espérons que ça soit du rouge. Amen. Oh. Enfin du rouge. Bien. Allez, deux boîtes à ouvrir encore. On adore le rouge. Et je te rappelle qu'il reste trois boîtes jaunes. Le 6. Le 6. Boîte numéro 6, la boîte de Mamadix. Je te rappelle, je veux bien te laisser parler, mais tu n'ouvriras pas cette boîte. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce allez, que tu... Du courage. Du courage. Merci. 100 000 euros. Voilà. Alors. C'est par rapport... C'est à cause des bêtes de merde, ça, je crois. Voilà, le courage n'est pas là. Alors, une boîte à ouvrir avant l'appel du banquier. Il te reste encore deux sommes jaunes. Désolé. Le 16. Le 16, la boîte de Red Kill, et non pas Red Fire ou Redouné. Cette personne-là ne veut toujours pas venir, malheureusement. Alors, la boîte numéro 16 contient la somme vous de... 1 euro. Oh. Ah, yes. Allez. Déjà un petit peu. Ah, le banquier appelle, le voilà. Ouais, fais chier, celui-là. Le banquier vous propose une offre de 8000 euros. 1, 2, 3, je refuse. Ouais. Je vous rappelle, ouais, pour la troisième fois, que vous avez une contre-proposition. Et vous le pouvez. Alors, j'aimerais proposer au banquier 15 000 euros. 15 000 euros. Proposer 15 000 euros au banquier. Le banquier va tout de suite me dire sa réponse. Allez. Il est radar, banquier. Ah, ça ne me surprend pas, tu vois, pour le coup. Vous ne me surprenez pas, monsieur. Le banquier a bien évidemment accepté la proposition. Quoi ? Mais c'était sûr. Donc, ouais. Pour l'instant, vous repartez avec... Il y avait plus. Pour l'instant, vous repartez avec 15 000 euros. Ok. Imagine, il avait les 150 000. Il n'y a que deux sommes au-dessus de 15 000 euros. Donc, le banquier va sûrement vous proposer toujours, peut-être à un moment, un comeback. Ok. Le comeback peut arriver à tout moment quand il appelle, bien évidemment. Ok. Tout de suite, nous allons ouvrir trois boîtes. Trois boîtes ? J'irai le 14. Le 14, tu vois, tu repars faire les courses. Alors, la boîte numéro 14 contient la somme de 1000 euros. Ok. Le 15. Bon, tu veux pas me faire non plus faire tout le tour. De Terracide, la boîte numéro 15 contient 50 euros. Yes, du rouge, du rouge. Non, mais et non, mais le... j'accepte. 5. La 5. La boîte de Bob Lennon est composée de 5 euros. Ouais. Voilà. Bon, ok, va nous appeler. Oh. Le banquier vous propose un comeback. Oh. Ah. Oh putain. Ah oui. Contrairement à certaines fois, il ne le proposera peut-être pas deux fois d'affilée. C'est la dernière fois. 1, 2, 3, j'accepte. Ouh. J'acceptais donc. Ouh. Wow. Votre gain pour l'instant est de 0 euros du coup. On repasse à 0. Oui. C'est chaud de night. Alors. Nous pouvons faire laisser cela et nous allons passer tout de suite à deux boîtes à ouvrir. Deux boîtes. On the city New York. Je vois pas là de là. Alors je suis pas anglais mais j'aimerais bien éviter. Ah non. C'est le king. C'est ta boîte. Ah oui c'est ma boîte c'est pour ça. Le 20. And the New York City. Le 20. La boîte numéro 20. La boîte de Nems, la boîte du troll. Parce que vous il avez eu raison. Il a perdu sa tête. Mais non mais ça c'est Link.
On voit, on voit les couillons, franchement. Il a perdu sa tête. Alors, la boîte numéro 20. Avez-vous fait le bon choix en acceptant le comeback, sachant que vous avez quand même perdu votre contre-proposition à faire ça? Ah oui. La boîte numéro 20 contient 9000 euros. Dans votre boîte, il n'y a pas le jackpot. La seule fois, la dernière fois que nous pouvons avoir le jackpot, c'est dans la boîte numéro 25. Allez, dernière boîte à ouvrir avant l'appel du banquier. Le 24. 24. La boîte numéro 24 contient la somme de 500 euros. Pour le moment, vous avez fait le bon choix pour l'instant, mon cher Handical. Le banquier appelle. Ok. Le banquier vous propose un échange. Oui. Une boîte. Est-ce que vous acceptez? Non. Ah, j'ai cru que vous alliez tout m'accepter là. En trois fois, trois appels, trois acceptables. Pas déconner. Alors, je vais vous dire les sommes qu'il y a encore, mais je vous les dirai après la pub. Oh. Ça me fait bien chier, tiens. De rien. Je m'appelle Alex. Un gars comme les autres. Mais dès que les candidats m'appellent pour lutter contre la force du mal, je deviens Megalex, leur sauveur! Un super héros qui aide les héros à attraper une nouvelle clé. On te le perfoura, on s'accrochera, on essaiera de le plumer avec Megalex! Allez! De retour sur le plateau d'Apprendre au lycée pour le 6ème épisode. Donc, j'allais tout de suite vous répéter les gains qui vous restent. Il vous reste 10 euros, 25 euros, 20 000 euros et 150 000 euros. Ah oui. Allez, 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 allez. Avez-vous les 150 000 euros dans votre boîte? Avez-vous bien fait d'accepter ce comeback? Oula. Je l'espère pour vous. Nous allons tout de suite ouvrir une boîte. Une boîte? Il y en a où? Ah là. La première. Boîte de Zerator? Ouais. Numéro 1, la boîte de l'organisateur du Event qui ont fait un très bon score. Mais bon, ça, ça fait toujours un bail. Quand l'émission sera publiée, ça fera un bail qui sera passé. Mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Donc, cette boîte numéro 1 contient la somme de 20 000 euros. Oui. Il reste la plus grande. Ah non, il reste pas la plus grande. Ah, d'accord. Ok. Le banquier vous propose la somme de 15 000 euros. Ah bah c'est bizarre, je l'avais proposé aussi. Mais non. Non, je refuse. Refusez, peut-être qu'il fait ça pour votre bonne... pour que vous ayez bonne conscience. Derrière. Non. Vous refusez? Je refuse. Nous allons donc ouvrir une nouvelle boîte. Que les boîtes restantes sont celles de Moufled et celles de Romain à la nuit. Romain le petit coquin. Bah, je vais prendre le petit coquin. Le petit coquin. Bon, j'espère que le petit coquin a vraiment une petite somme, hein, pour son pseudo. Alors, bonjour Romain. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. J'espère que vous allez bien. J'espère pour nous. Moi aussi, je l'espère. Je pense que tout le monde espère, j'espère. Moi non, je rigole, j'espère. Ok, ben. J'espère. Je vais vous laisser ouvrir la boîte numéro 23. Je n'ose pas regarder. Oh. Je ferme les yeux. Oh. 25 euros. Ouais. Oh mon dieu. Donc, pour ce dernier DM, il reste. Ouais, je gage, venu rouge dans ma boîte. 10 euros. Bien. 150 000 euros. Le banquier propose un échange. Oh. Avec non. Ma boîte. Du rouge dans ma boîte. Alors, je peux vous dire, si jamais vous avez pas envie d'entendre parler Moufled, vous acceptez l'offre, on met ça là, et du coup, vous n'entendrez pas parler. Alors, ça, c'est une bonne proposition, mais je dirais non quand même. Vous n'acceptez pas? Je vais donc partir... ouvrir la boîte de Moufled.
Du coup, c'est moi qui t'ouvre ou c'est... Ah, ben non. Non, pour l'instant, c'est moi. Ah, le banquier qui nous appelle. Oh, mais il est chiant. Ah, ben voilà, tu l'ouvriras pas. Forcément. D'accord, ok. Vous augmentez, hein, mon cher. Le banquier vous propose 50 000 euros. Oula. Non. Aïe. On refuse encore. Je refuse. Je repars. Vous cherchez la boîte de mouflède. Coucou, c'est moi. Il va vouloir appeler. Alors, mouflède. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Je veux faire une blague? Bah non. Non, pour... je remplace et... Nyanya, juste... Je suis désolé, hein, mais bon, comme tu es le dernier, c'est moi qui vais ouvrir ta boîte, hein, même si je t'ai dit tout à l'heure, je préfère, parce que le roulement de tambour, c'est moi qui te gère, ok? Ok, vas-y. Allez, nous allons lancer le roulement de tambour. La boîte numéro 7, la boîte... Non mais s'il vous plaît, si vous pouvez éviter de faire du bordel, j'aimerais bien entendre quand même le roulement de tambour. La boîte numéro 7, la boîte de mouflède, contient la somme de... Mon cher handicap, vous ça avez donc... Ça fait deux fois que je l'ai. Dans votre boîte. J'aimerais dire quelque chose. Je pourrais m'acheter deux kebabs ce soir, merci beaucoup. Vous avez maintenant la boîte numéro 25. Ah oui. Vous l'acceptez? La prenez? Oui. Je te rappelle que tu peux avoir beaucoup divisé par 2 égal x2 ou le jackpot. Le jackpot il serait plus avantageux que le x2. Ouais. Tu peux pas de kebab du coup. Hein. Ce soir, tu t'achètes un kebab. Allez, tu peux pas de kebab. Handicap, j'ai le regret de dire que vous êtes le plus mauvais candidat de la saison pour l'instant. Ah bah là oui, non. Sachant qu'il a failli devenir le meilleur, hein, avec 150 000. Oui. Merci. Nous allons donc arrêter ici, et je vais vous dire à tous, bye bye, c'était Laser. Goodbye. Non mais Laser. Comment ça, merde? Je crois qu'il allait dire, j'ai oublié Drake. Ça aurait été drôle. Ça serait con. Si tu fais ça, t'es viré. T'es nul. Bon.